Daryl, Siren ou Rakna? Daryl, le frérot, très très bon héros. On veut un maximum de tokens et de boucles diva pour danser. Là, on a encore XQN avec nous. On a Gozu. Oh putain, on a du bon monde là. Il y a même Stan Sivka, le retour de Stan Sivka. Oh là 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 là. Eh, il y a du bon monde dans cette game. Il y a du bon monde. Ils sont où les tokens là? Il n'y a pas de tokens. Ok, ok. Stan Sivka quoi. Waouh. Le retour. L'important, c'est de jouer. Stan Sivka qui était un pro sur Hearthstone, qui est parti sur Artifact. Mauvais choix, il est parti sur Magic. Un peu plus pertinent. Et ouais, je pense que c'est lui qui s'est remis à jouer Hearthstone. On a Gozu qui est un français. Salut, qui est bien classé également. XQN qui est dans le top ladder également, top 10, top 20. Et peut-être d'autres qui sont très bien classés que je connais pas forcément. Je vous souhaite un bon combat. Merci Azur, merci pour tes 10 mois. La strat level up sur la raid, ça va bien ou c'est nul à chier? Je pense que c'est de la merde. Donc tu ne verras pas la faire vu qu'on tryhard. On s'en fout de ça, hein. On fait notre level up. On a level up. Ok, tout le monde a level up, j'ai l'impression. Sauf Rafa, mais ça c'est legit. Ivan Cliff qui ne level up pas. Bon, FK c'est normal aussi, hein. Voilà, ok, tout le monde level up. Ah. Contre la liche. À moins qu'il ait pris de token. En fait, s'il a eu des tokens, il peut avoir acheté autre chose entre temps. Il y a les pièces, mais ce sera un peu cher. Mais c'est possible. Merci Peuchrom. On vient de me poser la question il y a 2 secondes. La strat de Daryl Nibois, je pense que c'est pas fou. Toute défaite qui ne vous détruit pas vous rend plus fort. Wow. C'est bien. C'est bien. Touche et bouclier mon gros. Ça c'est bien. Il a 2-2 aussi. J'ai pas pris ça, clairement. Château, on va acheter 2 serviteurs. La bombe, c'est une très bonne carte. Dans les serviteurs du T2, les meilleurs serviteurs, je le dis souvent, mais c'est. Pour que ça rentre bien. Rejeton, c'est incroyable, évidemment. Et puis après, vous allez avoir la bombe qui est très bien également. Bon, après, des strats. Si tu pars sur une strat bête, évidemment, Chlor des Rayen ensemble, ça peut être très bien. Surtout si t'arrives à booster le Chlor des Rats. Et puis, ouais, lui booster par Daryl, c'est cool, hein. Ah, le reset de shield, no! Oh, le reset, ce qui fait mal. Il a. Bon, on prend 4. La bataille fait vraiment rage. Que bien, mais bon, en revanche, je vais le prendre. Hein. Je vais prendre le chat pour les achats-reventes. Je vais prendre le mini-robot. Et ça sert peut-être de le tripler plus tard, on va. On va vouloir jouer et booster des petits divins. Placement par contre c'est ça. Avec le grid à droite parce que il a plus de chances de survivre que le roux comme ça. Voilà. Placement ok. Ouais. Le problème de ma compo là, c'est qu'en gros mes serviteurs se font tous trade à part lui par tout ce qui est serviteur à 3 points de vie. Donc on peut perdre des fights ici. Parce que eux se font value trade par des. Des zoobots, des tigres, ce genre de choses. Donc des 2-2 c'est pas non plus incroyable. Après ça tape 2 fois mais bon. Ok, le monsieur est énervé. Bon après c'est Van Cleef, hein. Le petit repos en plus j'imagine. On peut le temps de voir. Moins 4, très bien. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Pourquoi tu es le seul au monde à jouer Bouclier Diva, tous les autres jouent des compos? Je pense pas que je suis le seul, loin de là. Je pense que tu te trompes. Le level up est sûr. La question c'est ça ou ça? Il y a le côté doublon, il y a le côté boss qui est vraiment énervé là sur les deux quand même. J'ai pas envie de freeze. Je pense que je prends le tigre. Danse plus, mais je danse pas maintenant en fait, c'est après que je danse. On va danser mais après. On va danser mais après frérot. Moi aussi j'ai envie de danser hein, mais une seconde, il y a de papillon. Bon les chats, pas maintenant, c'est après qu'on voit les chats. Quand il y a un truc bien à son bord.
Ma femme c'est encore fort. Oh je le trouve moyen. Ah il a, waouh, il a déjà un triple. Ah ouais. Oh mon dieu. Ah ouais, ça déconne pas en face. Ah tu m'étonnes qu'on galère. Ah ouais. Ok c'est costaud. Bon bah là, là c'est pas moi spécialement que je suis en retard, c'est juste que les mecs sont vraiment vénères dans la game hein. Parce qu'à ce stade là on est ok, juste on a perdu 20 points de vie sur sur des mecs énervés. Allez la boucle y va. Non. On peut faire un roll mais il faudrait partir direct. Ok nice. L'autre, l'autre, l'autre. En même un petit peu quoi. Au revoir. Je pense que je tège quand même la 3-3 plutôt que la 2-2. Je vais me garder la 2-2 à côté. T'as vendu le roux en second. L'or n'a pas d'importance du moment qu'il est vendu. Ça n'a pas énormément d'importance. Il faut avoir les aides de shield du coup pour le cobalt bien sûr. C'est important de toucher par après. Dans des bombes. Dans des bombes. Oh ça va, tranquille. Bouclier divin. Sur votre lancée. Ok, je veux pas trop perdre de fight donc go. Ok. L'important c'est de jouer des serviteurs. Je pose la question de vendre ça. Donc le loup. Je pense que oui. Le loup booste quand même lui et peut booster lui de manière intéressante, je sais pas. Pop cohérent. Après c'est une 3-3 au lieu d'une 2-2, mais c'est une 3-3 qui booste lui quoi. Ouais je pourrais vendre les deux carrément hein. Mais bon. Je pense que je préfère vendre ça. Non, je vais le garder lui. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Ah, il a des boucliers, fait chier. J'hésitais à mettre quelque chose devant, mais. Disons que si je prends la value trade instant, c'est quand même vachement fort. Il a beaucoup de boucliers d'Iva, le coca. Il a des resets aussi qui sont un peu chiants. Et. Qualité. Il faut avoir les aides de shield sur lui hein, pour le coup, assez vite. J'en trouve un, je prends. Toute défaite qui ne vous détruit pas vous rend plus fort. Et là. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Je pense pas que je le prends pour autant, je tente d'avoir mieux. On peut faire tout un tour sur lui, mais après il faudra qu'il arrive à mourir, c'est pas évident mais bon. L'important c'est de jouer. On essaiera de le taunter après. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Même lui, je pense que je vais quand même le vendre. Le problème c'est que si je le mets avant, je perds un slot. Après, on peut le garder pour sourcil quoi. J'aurais pu le booster de A, mais je perdais un gold, ce qui ne m'arrangeait pas évidemment. Vous aurez compris. Je vais le garder à tour. Ouais. Ok, si on a vraiment peur de ça, d'un bouclier devant, on peut mettre lui en first, lui en 2. En 3.
pas toi, t'as sorti de mettre la bombe en première s'il y a plusieurs boucliers divins. Continuez comme ça. Ouais, je triple la bombe, que je vire la sac probablement. La K2 pourrait dégager aussi. Ok, c'est du démon. C'est un peu chiant pour moi les démons. Très chiant, surtout qu'il a un seigneur du vide là qui est bien relou. C'est très chiant, je perds le résultat du shield, ça va être casse-couille. Hein. Démon contre une compo comme on a, c'est très relou. Parce que bah il a le temps de vraiment ultra value son jongleur et son jongleur fait trop de dégâts en fait, tout simplement. Ouais. Ouais. Ça c'est trop bien mis. Si on avait défoncé rapidement le seigneur du vide, si on avait su ce qu'il jouait, on aurait peut-être pu espérer one shot le seigneur. Là il a eu trop de rip-hop, ça c'est trop bien mis. Est-ce qu'on avance là-dessus? Je pense que oui, quand même. Ça me fait un autre doublon. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Je me nourris de votre colère. Hop. C'est très bien, mais là je pense que je cherche vraiment un doublon là-dessus. Enfin, un triple là-dessus plutôt, un triple là-dessus. Des menaces réplicantes, ce genre de choses. Quoi, lui pourrait sauter, mais faire le triple avec ça, c'est même pas si value là. Ah, il va y avoir des boucliers contre lui. Hein. Non, je pense pas que je bloque ça. Il est bien, mais pas avec le board que j'ai maintenant. On va peut-être faire le level up au prochain tour. On va essayer de taunter ça aussi. Jungler doré qui va taper 2x3 au lieu de 1x6, c'est un nerf ou un boost? Ça boost. Oui, la carte est déjà très fumée, ça la rend encore plus fumée, mais après. Disons que ça va être bien l'archétype démon qui est pas non plus fumé en soi. Qui est bien, mais pas fumé, je pense. Le Vaillefort shieldé, mais bon, le Vaillefort il est un peu tristouné là quand même. Il est un peu triste ce Vaillefort quand même, non? Ouais. Et boum 10! Ok, changement de plan, on refait un tour de rôle. Here we go. Cobalt, c'est évidemment la meilleure carte à booster. Hein. Je pense pas que j'ai besoin de faire plus gros que ce qu'on va faire là. Je pense que c'est quand même lui qui dégage. Ah, vraiment un reset de plus. Hein. Après je pourrais en avoir via des menaces ou autres, mais faut les trouver. Faut les trouver ces menaces. Allez-y, engagez une de ces recrues. Je veux pas qu'il prenne son cleave, là du coup. Il était relou lui avec ses boucliers divins. Je veux pas le tripler lui. Ça me va. Parfait ça. Ah, il manque pour les du shield, c'est dommage. Ah, c'est fait focus. Ah, pas de reset, putain de merde. C'est le risque hein, qu'il soit tuable le bordel. Ah, dommage. Mais en même temps, je vais lui mettre un ennui, je le sais, je veux le tout le truc. Il faut vraiment un reset de shield en plus, ça manque de ouf. Ça manque de ouf là.
que je le prends en brut. Ça manque de trop, hein. Ah, je vais devoir revendre cette bombe là, je pense. C'est ça qu'on cherchait depuis tout à l'heure. Ok, on est contre notre bro Toon Divine Shield. Hop, hop. Merci Toto Gilou. Toto Gilou. Merci à toi pour ton prime. Ah, y'a carrément un point d'exclamation MMR, putain, c'est des boss les modos. Ouh, oh, oh, oh. Allez, ça meurt ça, excellent. Ton placement était. Bon, après il y a un nuki sur la bombe en vrai, non, c'est juste la bombe qui... sur laquelle il était nuki. Après, le fait de taunter l'autre, ça peut être un des problèmes. Hein. Ok. Le problème, c'est que l'autre ne va pas reset parce qu'il ne meurt pas lui. Mais je veux le taunter, enfin, lui, je veux lui donner un bouclier divin à taunt. Depuis tout à l'heure, je l'ai dit, depuis que je l'ai fait grossir, je veux le donner en sacrifice. Voilà, un reset au moins. Allez hop, Georges, ça dégage. Le top 4, peut-être le top 3. Top 4. Contre Elise, la coquine qui joue ces villas démons qui sont très relous contre moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça, oui. J'ai pas le temps de booster un truc de toute façon. Voilà. Non, non, en fait ça m'intéresse pas de tripler Sanissa, moi j'ai juste envie de prendre ça en fait. Après, on va pouvoir reprendre un truc, donc on prend le Kangoubot pour faire notre reset. Hein. On va prendre le Kangoubot et faire notre reset. Naturel. Vraiment, je veux pas tripler. Je veux pas tripler lui. Et je veux pas tripler lui. Je veux des resets. Surtout contre son jongleur de mort. Après, peut-être qu'au prochain tour, je le triplerai le. J'aurais pu vendre ça du coup avant. Peut-être qu'au prochain tour, je le prendrai lui. Du coup, ça part sur E2. Hein. Peut-être que lui je triple au prochain tour. Encore. I don't know. À dire que non. Yo Gates. Ça va et toi? Ça va bien? Ok, je le fume. On le fume. Un max de reset. Pourquoi le bricabot tu le triples pas? Je vois pas où tu vois un bricabot frérot. Donc je ne peux pas répondre à ta question. Je vois pas de bricabot dans ma game. T'as pas freeze. Mais j'ai dit que je le freezais pas. Freeze au golem ça me fait peur de reset et je suis pas sûr de vouloir le faire en fait. C'est ce que j'explique. Notre pote le tigre. My brother. This is my brother. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Hein. En fait. Ah. Ouais, c'est le booster quand même. Hein. Ok.
11, 12, il vaut mieux. En fait, là, ça meurt sur 4 boulettes. Alors que là, ça en tank qu'une de plus, tranquillou. Ah, là, là, pareil en soi. Dû mettre ça en first. Ok. Allez mon grand, à toi de jouer. Bien joué ça, on est là. Là sa compo est un peu insane. La compo est un peu insane les gars, je vais pas vous mentir. On va récupérer le cleave. On récupère pas l'autre. Ah! Ça c'est pas trop mal. Y'a le cleave qui rip-up, après ça tue pas la 29. Okay. Ouf. Chaud. C'est chaud, hein. Lui je vais galérer à le tuer, j'ai bien chaté là-dessus. C'est les démons, je pense que je le fume. Va falloir aller chercher un Brickabot pour lui après. Ah ça, je sais pas comment je vais le fumer lui. Le Brickabot se fera baiser par le zap. Ah merde. Ah merde. On va avoir des problèmes là dans cette histoire. On va avoir de gros problèmes. Continuons le combat. Allez-y, engagez une de ces recrues. Mon board n'a pas spécialement besoin d'attaque, donc si je fais ça pour prendre ça et ça maintenant, je pense pas que ça va du coup contre l'autre, c'est bien ou pas? 16, 8, 10, 11. Bof, le deuxième tigre est useless. Allez-y, engagez une de ces recrues. Très bien ça. Pour plus tard. Vous très très bien. C'est dans la poche. C'est moins facile à battre là quand même hein. C'est moins facile à battre que tout à l'heure hein. Genre double jongleur ça commence à faire beaucoup. Ouais non je rigole. Tranquille. Ouais lui il me fait vraiment peur là. Oh, un cleave. Taunt, taunt. Bon travail. Continuez sur votre lancée. En vrai, j'ai boosté. Hein. Je pense pas que je vais m'emmerder à essayer de trouver un cleave. Un choix tactique intéressant. À gauche. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Alors ça va être de moi, mais je pense qu'on s'en branle. Je vais juste faire un gros truc là. Je sais pas, après il peut m'aider à venir péter les boucliers. J'aurais choisi le même. Il va prendre le zap dans tous les cas. Mais bon. Après si t'as pas premier ça me va.
Là, on est obligé de garder là pour protéger eux du cleave, c'est important. Ça va être chaud, ça va être chaud. Je pense qu'il est vraiment devant. Hein. Je pense qu'il est vraiment trop devant en fait. Il a board vraiment insane en termes de stats. Il est monté beaucoup trop. Je vais quand même péter le bouclier. Je voulais vraiment protéger eux du cleave parce que s'ils prennent le cleave et qu'ils resettent pas leur shield, je suis vraiment au fond. C'est pour ça que j'ai quand même mis la protection anti-cleave là. Il a fait son travail le petit serviteur qu'on a gardé là. Il a fait un vrai travail. Juste dommage que lui on le fume pas. Là c'est terrible. Il est taunté donc il était un peu free. Je pense que ça passe si on chope le Viper avant le loup même. Ouais ça passe. Un peu chiant ça. 2, 4, 5. Non c'est bon. Ok. C'était tendu. Il gagne les amis. Ah c'est toi XQN Swashed. XQN, bah le pseudo du mec. Je sais pas, tu me dis je perds. Euh, 11 080, on en est où là du coup? Top 11. Pas à jour hein. Non, forcément on repasse devant. 11 080. On repasse 9ème là du coup.